la musique et je veux servir la musique au lieu de parler de moi. Je crois que c'est dangereux d'être un modèle et d'être regardé comme une star. Mais à la fin, c'est la musique qui dure pour toujours. Pendant mon adolescence. Et maintenant, c'est comme si j'avais la musique dans la peau. Je fais corps avec elle. Quand je joue, je me sens si bien et ça me vient si naturellement que je ne me rends plus compte que j'interprète un morceau écrit par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'en être le compositeur. Tout un univers s'est offert à moi, avec une multitude d'opportunités et de choix. C'est incroyablement stimulant, même si je ne sais pas où ça va me mener. Je ne m'attendais pas à vivre une telle vie. Je joue avec des chefs d'orchestre que j'avais vus sur des pochettes de CD étant enfant. À l'âge de 14 ans, je rêvais de tous les rencontrer, de les connaître, et surtout de jouer pour et avec eux. Ils ont aimé ma façon de jouer et m'ont invité en tournée. À cet âge, on ne peut pas rêver mieux.
Après le concert, je suis dans un état singulier. Je suis complètement épuisée, mais en même temps, j'ai l'impression de renaître, de m'être ressourcée. And the grotesqueness, I think it's just so the beginning of century feel. Look at the arts during that time, it's all really almost scary. And but both Rachmaninoff and Prokofiev, just those Russians, their music are so powerful, which is either be grotesque or just romantically beautiful. They just totally overwhelmingly powerful, melts the heart, yeah. Tous une certaine forme de perfection, ce qui ne veut pas dire que je joue toutes les notes parfaitement. Après tout, je ne suis pas une machine. Le but est de créer un état proche de l'extase, un état capable de toucher et d'émouvoir les gens, de faire chavirer le public grâce à la force de la musique. Voilà ce que nous cherchons tous. Et c'est pourquoi je prends l'avion chaque matin pour jouer le soir venu. Le public me donne aussi tellement en retour. Concerto numéro 2 a une très grande importance pour moi. J'ai dû l'écouter pour la première fois quand j'avais 14 ans et il m'a littéralement transportée. C'est une œuvre réellement puissante, émouvante et intense. Elle est très condensée, aucune note n'est superflue. Chaque note avait une signification dans la psychologie très conflictuelle du compositeur. J'aime découvrir les subtilités d'un morceau.
Ces détails qui font que l'on se l'approprie peu à peu, jusqu'à ce qu'il fasse partie de notre ADN. Bien sûr, c'est techniquement très difficile, surtout lorsque le morceau dure 45 minutes et qu'il est comme une onde infinie d'émotions.